Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 10 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte « Recevoir des nouvelles ». Bon, une personne souhaite entrer en contact avec toi, ou c'est peut-être toi qui souhaites entrer en contact, échanger avec une certaine personne. Allons-y. Oui, exactement. Il y a vraiment quelqu'un qui veut entrer en communication avec toi. C'est ce qu'on nous dit. Allons-y. Avoir des échanges, communiquer, partager, dialoguer. Continuons. C'est un message pour le signe du Scorpion. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Scorpion. Un message pour le signe du Scorpion. Ici, on me présente, bien écoutez, nu, c'est très chaud, énergie sexuelle, désir, il y a un désir, nu, on pourrait me présenter une personne, étant donné qu'on parle d'échanger, de communication, entrer en contact, oui, on peut me présenter quelqu'un qui souhaite s'ouvrir, se dévoiler, se mettre à nu. Continuons. Il y a une invitation, il y a un message à... Ici, c'est l'énergie sexuelle qu'on me présente. Continuons. Il y a peut-être une invitation à partager des moments chauds ensemble. Aussi, comme on pourrait me présenter une personne qui a quelque chose à te révéler. Il y a quelqu'un qui veut se mettre à nu. On veut communiquer, échanger. Bon, ici, on me présente la carte du policier, main levée, mais ici, je vais vérifier parce que ma carte est à l'envers. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... bien, écoutez, je ne sais pas si une personne a peur d'être arrêtée. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va devoir quoi? Mettre une limite? Mettre une limite. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur de dire non ou de mettre sa limite, mais là, on dit qu'une personne va devoir mettre une limite. Bon, attendez. Devoir. Ici, on peut me présenter aussi une personne qui dit « je devais quoi? » Et ici, avec le policier à l'envers, on pourrait me présenter quelqu'un qui a un esprit rebelle ou qui a joué dans quelque chose d'illégal. Ça peut être aussi en lien avec la sexualité, à vous de voir. C'est comme si cette personne s'était sentie obligée. Je ne pouvais pas respecter les lois, les règles, on devait. On dirait que c'est une possibilité, là, qu'une personne... on dirait qu'une personne... tente d'exprimer ça, là, qu'elle était obligée de. C'était un devoir. Et en même temps, on nous dit qu'une personne, on invite une personne à mettre sa limite. C'est comme si on disait, tu vas devoir mettre une limite. Te respecter. Il y a quelqu'un là, qui veut partager, échanger, communiquer. Nu ici, c'est l'énergie sexuelle. En même temps, comme je le disais tantôt, une personne veut dévoiler quelque chose. Ici, on devait. D'après moi, on n'a pas ici respecté les lois, les règles. On devait. On ne pouvait pas respecter les lois, les règles. À vous de voir là, ce que ça vous dit.
Et en même temps, on dirait qu'une personne pourrait avoir peur d'être arrêtée. Attendez, on verra bien. Là, je vais demander une autre carte. Et on dit à une personne qui a de la difficulté à dire non ou à mettre sa limite, on lui dit, je pense que tu vas devoir mettre une limite. Donc, à vous de voir, on verra bien. Là, je vais demander une autre carte. Le message peut changer, là. Plus j'ajoute des cartes, plus le message peut se transformer. C'est comme si on disait qu'on ne pouvait pas s'arrêter, on ne pouvait pas s'arrêter. Ici, on dirait qu'il y a quelque chose de caché, c'est chaud, c'est en lien. On a quand même deux cartes qui me présentent l'énergie sexuelle. Bon, les échanges, échanges, des relations, relations sexuelles. Ça me parle de ça aussi. Une invitation, relation sexuelle, c'est une possibilité. Ici, quelqu'un, qu'on pourrait dire aussi qu'il y a quelqu'un qui n'a pas respecté la limite de l'autre. Ici, là, on dirait qu'il y a une difficulté avec la limite. On ne veut pas être arrêté. C'est cette énergie que je rencontre. Attendez une minute, là. Je vais demander une autre carte sur devoir. C'est un message pour le signe du scorpion. Le miroir. Miroir. Que voulez-vous me dire? Le miroir. Je vais demander une carte sur le miroir. Le miroir peut me parler de projection. Projection. Reflet. Image. À moins qu'une personne ait fait un peu d'introspection. Le miroir, vous voulez me dire quoi? Je vais demander une carte mot. Il y a une personne ici. Le miroir, donnez-moi une minute. Le reflet, le miroir, que voulez-vous me dire? L'image? Attendez. Quelqu'un qui prend soin de son image, les apparences? En même temps, on nous dit qu'une personne va devoir faire face à la réalité. Le miroir, c'est ça. On fait face. On se regarde dans le miroir, là. Faire face à la réalité. Je vais demander une carte sur le miroir. Donc, il y a quelqu'un qui veut échanger, communiquer. Ça, c'est clair, là, avec le message. Deux cartes qui vont ensemble. Ici, il y a quelqu'un qui veut se mettre à nu, dévoiler quelque chose. Maintenant, sur le miroir, vous voulez me dire quoi? Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? C'est un message pour le signe du scorpion. S'accrocher. S'accrocher avec le miroir. Accroche-toi. S'accrocher. J'ai besoin de détails. S'accrocher. Je vais changer de jeu de cartes. Un jeu de miroir. Ici, on peut me présenter quelqu'un ici, là, on pourrait. Étant donné que cette carte pourrait me présenter une personne qui joue dans l'interdit, qui ne respecte pas les lois, les règles, on pourrait me présenter quelqu'un qui a projeté sur une autre personne ses comportements illégaux. Et la personne qui a reçu ces projections s'est accrochée. Ici, là, il y a quelque chose là, à voir parce que ici, là, de voir, c'est spécial. C'est comme si on devait quoi? Jouer dans l'illégal. Ne pas respecter les lois, les règles. On devait. Et en même temps, on dit à une personne qui a de la difficulté à mettre ses limites, mets tes limites, tu vas devoir mettre tes limites. Peut-être envoyer même les projections qu'une personne a fait sur toi, les renvoyer, lui renvoyer ses projections
C'est aussi une possibilité. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas respecté. La carte est à l'envers. Il y a un blocage. Attendez. Je vais tenter d'explorer encore. C'est un message pour le signe du scorpion, s'il vous plaît. Un envoûtement, un charme, être sous le charme. Ici, il y a quelqu'un qui a ouvert son cœur à une personne. On est tombé sous le charme d'une personne. Carte qui nous parle de, d'envoûtement. On a ouvert notre cœur à une personne. Que voulez-vous me dire? Pardon. Une personne a réussi à nous séduire. Attendez. Le militaire, il y a une énergie masculine ici. Masculine, masculin, militaire. Un masculin dans ses pensées. Donc le militaire, ça me fait penser un peu à cette carte aussi. Une personne qui porte l'uniforme. À vous de voir. Donc l'uniforme, écoutez, ça dépend, hein? Oui, on peut me présenter une personne de loi. On peut me présenter aussi une personne qui est dans le médical. Une personne qui, écoutez, porter l'uniforme. En fait, ça représente, le militaire représente une personne en situation d'autorité. En principe, le militaire est droit dans ses bottes, mais on me le présente ici à l'envers. On dirait qu'il y a quelqu'un, on dirait de corrompu, là, ici. C'est spécial, hein? On dirait qu'il y a quelqu'un de corrompu. Contaminé, corrompu, être tombé sous le charme de quelqu'un a réussi à t'envoûter, à te séduire. Ici, c'est spécial. À moins qu'on me présente deux personnes en situation d'autorité. Il y a un masculin dans ses pensées. On me présente le militaire qui est là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est corrompu. Et il y a un jeu de miroir, d'après moi, là. On fait attention à notre image, notre image. Ici, il y a quelqu'un, là, qui protège une image. Attendez, je vais demander une autre carte. Donc, il y a toujours l'idée d'une personne qui souhaite entrer en communication, échanger, partager. Dévoiler quelque chose, se mettre à nu. Ici, c'est comme si on disait, on devait, on n'avait pas le choix de ne pas respecter les règles, les lois. On a contourné des règles, des lois. Et en même temps, on dit à une personne qui a de la difficulté à mettre ses limites, à se respecter, on lui dit de mettre sa limite, de se respecter en ses limites. Ici, on a ouvert notre cœur à une personne, on est comme tombé sous le charme d'une personne. S'accrocher le miroir. Ici, l'homme se regarde dans le miroir. Les pensées, les pensées. Il est dans ses pensées. Et c'est associé au militaire. Une personne en situation d'autorité. Attendez, je vais demander une autre carte. On verra bien. Que voulez-vous me dire? C'est un message pour le signe du Scorpion, s'accrocher aux apparences, le miroir. Et en même temps, on dit à une personne, accroche-toi, là, parce que tu vas devoir faire face à la réalité que tu as créée. Regardez, encore une fois, l'homme est l'uniforme, engagé à une brunette. Il y a un partenariat, là, ici. Alliance. Donc, je ne sais pas qui est cet homme. Il revient, l'homme en uniforme, l'homme charmant, séduisant, en équipe, allié, partenaire,
à la brunette. Il y a un partenariat ici. Donc oui, ça peut être un professionnel. Et on me présente le charme, hein, être tombé sous le charme de la séduction. On a ouvert notre cœur à... Là, ici, on me présente le partenariat, l'engagement avec la carte de l'union entre elle et lui. On dirait, avec la carte du policier ici à l'envers, là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est corrompu. Je le répète, là, mais le militaire, en principe, c'est quelqu'un qui est supposé d'être droit dans ses bottes. Il respecte les lois, les règles. Mais ici, il y en a un qui est corrompu, certain. Il n'a pas respecté, lui, les règles. Et il est en équipe. Il y a quelqu'un ici qui est allié à la brunette. Associé, partenaire. Là, je ne sais pas à qui s'adresse ce message. À vous de voir. Là, je vais vérifier pour la carte. C'est un homme charmant, là. Charmant, séduisant. Une figure d'autorité. S'accrocher à son image, son apparence. Ça, c'est très important. On protège l'apparence. Les apparences. Et là, on va devoir faire face. Accroche-toi parce que là, tu vas devoir récupérer tes projections, faire face à la réalité. Il y a quelqu'un ici, là, qui a, d'après moi, qui a joué dans quelque chose d'illégal ici. Il y a quelqu'un ici qui est corrompu. C'est l'énergie que je rencontre. Il y a un partenariat ici. Bon, attendez, là, je vais demander une carte sur nu. Et le message, la main sur la bouche, ici c'est chaud, c'est l'énergie sexuelle. Non, je ressens, je me sens guidée vers cette zone. C'est un message pour le signe du scorpion. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez en la guidance si vous y êtes. Sinon, laissez le message. Peut-être aussi qu'une personne née sous le signe du scorpion a besoin tout simplement de voir ces mots, ces images pour confirmer ou valider quelque chose. Allons-y, continuons. Lettre, le message, ça revient. Il y a réellement quelqu'un qui veut communiquer et on nous présente la carte de la justice. Un document officiel. On peut me présenter ici un message pour régler quelque chose avec la justice. Ici, c'est la carte qui nous dit, qui nous parle de conflit, de dispute. Il y a quelque chose à régler, là. Pour avoir la paix. Il y a une recherche d'équilibre. Donc ici, on pourrait me présenter un document officiel, une lettre, un message, ou bien un message pour régler un conflit. Il y a quelqu'un qui veut régler quelque chose. On est rendu à faire face à la réalité là, qu'on a créée, d'après moi. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Donc, il y a quelqu'un qui veut dévoiler ici. Il y a l'énergie sexuelle qui est là. On peut bien demander, parce qu'on peut l'interpréter de deux façons, mais c'est certain que quand je regarde nu et cette main qui caresse et la couleur, c'est très feu, très chaud, c'est l'énergie sexuelle. Je vais demander une autre carte. Donc, on peut me présenter quelqu'un qui veut, oui... se mettre à nu, dévoiler quelque chose, et il peut y avoir aussi un lien avec la sexualité, relation, avoir ici des contacts avec toi, contacts sexuels. Justement, la police est dehors.
Bon, attendez, je vais demander une carte. Bon, ici, rencontre, rendez-vous, il est temps de se rencontrer, mais il y a quelqu'un, d'après moi, ici, qui ne veut plus parler avec une personne parce que cette personne l'a trahi. Ici, c'est ça. Il y a quelqu'un ici qui veut, je t'aime, là, ici. Il y a quelqu'un qui veut, c'est très chaud, là. On dirait qu'on... Ici, on nous parle de rencontre, de séduction, c'est chaud, je t'aime, mais il y a quelqu'un qui va dire, non, je ne veux plus passer du temps avec toi, c'est terminé. Ici, c'est peut-être un autre message, mais il y a quelqu'un ici qui dit à une personne, cette relation est finie, là. Oublie ça. Il y a quelqu'un qui ne veut plus entrer en communication avec une personne et c'est en lien avec cette carte. Relation chaude, relation... C'est le temps d'en finir. Ici, c'est le temps d'en finir. Il y a quelqu'un ici qui s'en va vers une guérison. Non, il y a quelqu'un qui ne s'intéresse plus à toi ou à ce que... Écoutez, qui ne s'intéresse plus, qui n'a plus le goût. Ici, on peut me présenter quelqu'un qui n'a plus le goût d'avoir de relation avec toi. Là, c'est... Il y a quelqu'un qui ne veut plus de ses contacts. Non, ici, là, c'est ça, là. Il y a quelqu'un qui ne s'intéresse plus à... Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez, mais... Même si on parle encore une fois de message, quelqu'un ici vient, on va se voir, c'est très charnel aussi. Non, il y a quelqu'un qui dit c'est fini, là, oublie ça. Relation possible avec addiction peut-être au sexe, à vous de voir. Il y a quelqu'un qui dit non, tu m'as trahi, oublie ça, oublie-moi, c'est terminé, tu as joué dans mon dos. Non, il y a quelqu'un ici qui se libère. Il y a quelqu'un qui cherche à reprendre contact, c'est peut-être un autre message, mais bon, il est là. « Ah, je t'aime encore, je t'aime, je veux te rencontrer, je veux te revoir. Viens, on va passer du bon temps ensemble, on va avoir du plaisir. » C'est ça? Mais non, il y a quelqu'un qui dit non, ne m'appelle plus, ne communique plus avec moi, c'est fini. Il y a quelqu'un qui se libère de ce qui est toxique. Il y a une personne qui fait le choix d'aller vers une guérison émotionnelle. Ici, on s'est blessé. Ici, tu as joué dans mon dos. C'est ça, des énergies de trahison. Va-t'en. C'est ça, ici. Il y a quelqu'un qui n'est plus intéressé à rencontrer une personne pour du sexe. Ou... Oui, probablement qu'il y avait des échanges. Ce n'était pas que du sexe, parce qu'ici, on nous dit qu'on se parlait. On parle, on communique. Encore l'idée des échanges, du contact. Mais ici, il y a quelqu'un qui dit, non, c'est fini pour moi. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus, tu m'as trahi, tu as joué dans mon dos, va-t'en. Ici, c'est ça, là. Et ici, c'est une zone... ici, il y a une personne qui veut entrer en communication. Il y a... On nous parle d'un partenariat entre la personne, le masculin. C'est le masculin qui porte l'uniforme et une femme ici. Quelque chose à régler. On devait jouer dans l'illégal ou quelque chose comme ça, là, ici. Et il y en a une, en tout cas ici on a été envoûté, une des deux personnes en tout cas a été envoûtée par l'autre, on s'est engagé, on est tombé sous le charme de, et là ici il y a quelqu'un qui devrait recevoir un message pour clarifier ou régler quelque chose, document officiel, ou c'est ça avec la justice, c'est l'énergie que je rencontre, signe du scorpion. Allons-y avec le message de l'arbre maintenant. L'arbre nous parle de connaissance, de sagesse et de force. Que voulez-vous nous dire maintenant avec la carte de l'arbre? À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. Bon, ancre-toi. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancré à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Hmm.
Alors voilà, c'était le message pour vous, signe du scorpion. Merci pour votre écoute, votre soutien, implication. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.